Les 45 tonnes destinées à la commune de Mukasa, cette quantité n'est pas arrivée. Seules 30 tonnes sont arrivées. Alors, les gens se posent plusieurs questions. Où sont parties les 15 tonnes restantes? C'est pour cette raison que nous attendons avec impatience l'ajout des 15 tonnes qui sont en disparition aujourd'hui. Et là, je peux vous dire que de la Sossoumo jusqu'à Bujumbura, à mairie de Bujumbura, nous n'avons pas enregistré aucun accident. Ce qui veut dire que toutes les tonnes telles que livrées doivent arriver à destination sans aucun manquement. Elles sont parties où? Il n'y a pas eu un problème X que celui-là de disparition des 15 tonnes. La distribution de ces tonnes se font par zone parce que, comme vous le voyez, la commune qui a beaucoup de zones doit recevoir nécessairement beaucoup de tonnes. Et c'est pour vous dire que 60 tonnes à raison de 6 zones, c'est 10 tonnes par zone. Et la commune de Mouha, qui a 4 zones, reçoit 40 tonnes à raison de 10 tonnes par zone. Et la spécialité pour la commune de Mukasa, parce qu'il y a une grande agglomération, beaucoup de gens achètent et partent dans les zones, plutôt dans les communes périphériques. C'est pour cette raison que la commune de Mukasa a eu 45 tonnes, bien que, et là, 4 zones.